Bonjour à tous, allez c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors nous sommes sur l'Autostar I730 LCA Passio. Bien évidemment sur Fiat Ducato. Par contre, pour moi la petite particularité, je vais y arriver, c'est ceci. 180 chevaux, et ça c'est plutôt pas mal. On va faire un petit peu le tour. Donc B affleurante, super, très beau véhicule, très beau véhicule. Donc là une entrée de soute, et je crois que de l'autre côté il y a l'autre. Préparé pour le porte-vélo, et ici la caméra de recul. Voilà, nous sommes sur une soute traversante. Voilà, une belle soute traversante d'ailleurs. Très belle, il y a de quoi mettre, il y a de la place, petit rangement bien pratique. Je vais tout refermer, voilà. Hop, voilà, il faut qu'il ferme à clé parce qu'il n'est pas fermé à clé. Donc deux grilles pour le frigo, donc je dirais grand frigo hein. Après ben, les trappes sont pas ouvertes hein, donc c'est pas grave hein, mais bon tout le monde voilà, bouteille de gaz, c'est pas difficile là, voilà. Donc ici il doit y avoir deux bouteilles de gaz et ça doit être un chauffage Trouma. Alors dans ce genre de modèle j'espère que le Trouma c'est un CP+. Alors une vitre sur la porte, c'est parfait, avec occultant. La petite poubelle qui sert pour le pain, du moins pour nous, c'est bien pratique. Allez, je vais refermer la porte. Voilà. Alors, ah ben magnifique. Très clair. Très clair. Lit pavillon qui descend sur les sièges. Passager, conducteur. Voilà, parce que là nous sommes sur un intégral. La caméra de recul. Et là. Hop, voilà, caméra de recul. Donc nous sommes sur un Fiat. Hein. Parfait. Caméra post double DIN. Donc, je suppose qu'il doit faire GPS. Voilà, petit rangement ici sur le côté. Voilà. Alors, et la vitre qui passager qui coulisse. Ah ben voilà comment ça s'ouvre. J'ai trouvé. Voilà. Voilà. Ah, parfait. Bon, je n'ouvre pas un grand parce que je veux pas. Ah super, c'est très bien. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Pop, et ça se referme. On va refaire comme ils ont fait. Hop, pour coincer le petit panneau, et voilà, c'est fermé. Parfait, super, non, mais c'est bien. Boîte à gants ici, réfrigérée. Super, oh non, oh, c'est du cuir, c'est magnifique, c'est super beau. Voilà, après la table elle se déplie comme ça. Voilà, et je ne sais pas, mais elle doit tourner dans tous les sens, je suppose. Ben voilà, j'ai trouvé. Voilà, elle se déplace dans tous les sens. Là. Là. Et voilà.
stepper. Ça se déplace vraiment dans tous les sens, c'est très pratique. Et ce qui laisse, voilà, ce qui laisse, une fois replié, un bon passage. C'est quand même bien. Nous sommes sur une cuisine avec trois feux. Ah, mais là par contre, trois feux en long. Pas mal. Trois feux en long. C'est pas mal. Piezo. Les occultants. Moussicaire. Voilà. Ici, notre évier. Alors ça, je trouve ça super classe. C'est super beau. Super, super beau. Range pour ranger les couverts. Ah voilà, ça se range, ça se ferme tout seul. Voilà. Tac, super. Hop. Pareil. Alors ici sous le salon, je viens de voir, nous avons une prise USB. Deux prises USB ici. Et deux prises USB ici aussi. C'est hyper bien. Et là, voilà. Et là, mais ça peut être bien pour mettre quelques chaussures. Pourquoi pas. Les commandes. La sonde du chauffage. Hein, la télé pour pouvoir mettre la télé. Alors ici en haut nous avons, voilà, un petit placard, voilà. Et c'est bien, moi je suis pas grand donc je lève la caméra, c'est pour mettre les appareils du téléviseur, les modulateurs, antenne Satoto, voilà. Et ici, là, moi je dirais que c'est bien pour un petit four. Alors est-ce que c'est prévu pour mettre un four? Eh bien oui. Et oui, vous avez la sortie ici du gaz. C'est parfait. Alors là, c'est parfait. Et en plus, le four se trouve pas très haut. Il est accessible même aux plus petites personnes, au moins qu'il ne fait qu'un mètre 60. Très accessible. Le frigo, ben ça c'est le même que le nôtre, voilà, frigo, Trimitz, électricité, gaz, 12 volts pour maintenir en roulant, ouais, c'est exactement le même que le nôtre. Donc petite vue d'ensemble de la chambre, mais avant nous allons passer à la douche. Très grande douche, belle douche avec une belle aération. Alors là, je sais pas si vous allez voir parce que je veux pas enlever le. Alors une bonde, deux bondes, et il y en a une autre deux sorties, deux évacuations pour la salle de bain. On va dire pour la douche. Super bien. Alors, et là, nous sommes sur toilette WC. Alors là, la porte, voilà, la porte des toilettes. Vous avez ici du métal, un petit rond en métal. Et ici, normalement, quelqu'un a dit le piquer, hein. Voilà, un aimant. Donc ce qui permet de, voilà, de fermer la porte comme ça. Aération. Ah, la vasque en verre. Moi j'adhère. J'adore. Bonjour à tous. Abonnez-vous. Likez. Laissez-nous des messages. Allez, petit rangement ici. Parfait.
Donc voilà, après ici, les toilettes qui pivotent, hein, qui tournent sur elles-mêmes, voilà. Hein. Non, très joli. Très joli, en plus, c'est clair, c'est moderne. Ça fait pas vieux. Donc, c'est un lit central. Alors là, je suis en train de voir quelque chose encore. Dans ce camping-car, il y a énormément de prises USB. Je ne vais pas faire le tour, mais vous en avez une ici, là, avec deux prises. Il y en a une autre là, avec deux prises. La penderie, belle penderie, donc pareil de l'autre côté. Je ne vais pas faire le tour. Je vais essayer d'ouvrir là. Voilà, si j'y arrive, parfait. Pas mal de rangement. Et là aussi. Alors, je sais pas si je vais y arriver parce que je veux rien. Alors, attendez. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Là, c'est pareil. Si vous voulez. Alors, hop, voilà, voilà, et là, la chambre devient entièrement fermée. Ah oui, il y a deux panneaux qui se suivent, les... ah c'est génial, ils se suivent l'un derrière l'autre, ah c'est super, ah oui c'est très bien, vous voyez, un là, voilà, et hop, je vais attraper l'autre, voilà, regardez, là ils sont là. 1 et 2, ce qui permet de fermer comme il faut. Ah, c'est super bien. Ouais, c'est très bien. Voilà pour cette visite de cette Autostar en bloc. Et voilà. Très beau camping-car. Magnifique. Allez, ben moi je vous laisse. Et à la prochaine sur notre chaîne et pour une autre vidéo de camping-car. Allez, bye bye!